Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc on va reprendre là où on s'était la dernière fois. Se dire dans nos croisades, hein. Dans nos guerres un peu partout. Et surtout, nous allions, plutôt j'ai prévu de bientôt attaquer l'Horde d'Or. Et oui, j'ai prévu de bientôt attaquer la Horde d'Or parce que je peux pas me permettre de la laisser plus longtemps en vie parce que ça commence vraiment à poser problème là. Donc on va finir ça. Et on va attaquer l'Horde d'Or juste derrière, hein, Royaume de Syrie, tiens, et hop, créer. Royaume de Syrie respecte les mêmes lois que celles de mon empire, tant mieux. Bon, voilà. La croisade est gagnée, 62% en contribution, voilà, ils sont contents. J'ai sauvé encore une fois bon. C'est pas grave. Le fait que je viens de prendre tout de même là là je vais les avoir. La Vierge Marie a accordé à l'empereur de Carle III de France dans la croisade pour Andalésie contre Sultan Machin. Ordonné à moi de célébration à travers toute la chrétienté. Voilà. Donc maintenant ça va être le plus long, on va redistribuer tous les titres. Donc Malacca, on inclut tout ce qu'il y a dedans. Grenade, plus on lui donne tout ce qu'il y a dedans. Voilà. On a bientôt fini à Reconquista là-dedans quand même. Cordoue et tout ce qu'il y a dedans. Et pour question, oui, c'est le royaume entier que vous récupérez dans une croisade. Non pas un petit morceau par ici, par là, non, non, c'est le royaume entier. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, donc oui, je vous rassure, c'est bien le royaume entier. Je viens de dire trois fois royaume entier, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez compris, c'est le royaume entier qu'on récupère. Donc ça permet vraiment de... Pour ceux qui vraiment s'investissent dans les croisades, ça permet vraiment de lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de terres. Duché de Badassou. Et duché de Séville. Titre financé, plus exclure ce qu'il y a dedans. Donc duché de Séville. Ah oui, loi aussi, d'Andalousie. Je sais plus à quoi ressemble le truc d'Andalousie. Oui, je sais, c'est le bordel. Pays bas, Bourgogne, Bavière, Sicile. Non, usurpé d'ailleurs avant. Je peux pas usurper. C'est ça, je peux. Normal. Bon. On constate que j'ai un tout petit problème là, d'argent. Je peux pas me permettre aussi de donner les cités à d'autres dodge parce que je commence à en avoir un peu beaucoup. Donc je vais les garder le temps que je puisse récupérer les autres titres. En attendant, vu que j'ai un gros problème déficitaire, on va réduire le coût que ça me produit, ouais, de moitié. Ça évitera d'aggraver mon problème financier. Et ceci, on va ramener ici. De rien, l'Horde d'Or a quand même rapidement récupéré des terres. On peut pas le nier ça. Bon, par contre, on va les faire racheter parce que vous constatez que j'ai des problèmes de liquidité.
libérer le prisonnier. Je... je vais garder les personnes qui peuvent me rapporter gros. Ah c'est bon, je regagne de l'argent, ça fait du bien. Et je vais déclarer la guerre pour revendiquer justement, parce que au final ça m'appartient ça. Donc oui, je grignote le l'Empire byzantin. À son âme. Là, je constate en fait que aucun des deux va réussir à gagner cette satanée guerre pourrie. Dans le sens pourri, parce que ce qu'on vraiment être chiant cette guerre. Voilà. Je sais plus avec combien de temps qu'ils se tapent sur dessus, mais il n'y a toujours aucun des deux qui a gagné. Donc, hein. Et on va éviter de dépenser trop d'argent pour reconstituer nos ordres, donc on... Nos ordres, nos escortes, c'est mieux. Donc pour ça, nous allons devoir... attendre. Ouais, pourquoi pas. Bon. Moi, je suis... ouais, bon, pas grave. On n'a pas de temps à perdre. Tant pis pour les cavaliers, ça me leur coûtait de l'argent. Mais... d'ailleurs, on constate que Constantinople est pris d'assaut. Hein. Ajoute la population de Hack a été convertie, c'est bien. Je veux uniquement qu'elle revienne dans mon royaume. Et parce que mon objectif à long terme est quand même de recréer l'empire complet, je vous rappelle. Hein. La SPQR, donc Senatus Populusque Romanus, donc recréer l'empire romain, si vous préférez. Et pour ça, ben, on va faire certaines choses un peu déloyales, comme attaquer le pape. Ah, pas le pape en lui-même, je déclare. Je revendique Orvieto pour moi-même. Et oui, le pape, je revendique. Ça me coûtait un bras pour me faire après pardonner, mais honnêtement, bon, fiche. Donc, les armées du pape sont quand même assez conséquentes. Hein. Parce qu'il repose quand même sur beaucoup de... sur un ordre de mémoire. De mémoire, hein. Je suis pas certain de ce que j'avance. Le 15, ça arrive à 9. Il faut aller démonter. T'arrives au 18, c'est bon. Voilà.
Bon, il faut savoir que mon escorte préférée, on m'a posé la question, c'est celle de l'Empire byzantin de l'escorte lourde, étant donné que vous avez des cavaleries lourdes, de la cavalerie lourde, et de l'archer, des archers montés. Je préfère étant donné que cette escorte-là fait beaucoup plus de dégâts en défense, en harcèlement. Et toujours et même plus de dégâts aussi en mêlée, donc c'est pour ça que j'ai une préférence pour cette escorte là. Bon, il est vrai que pour chasser c'est une escorte moins efficace. Parce que le rôle d'une cavalerie légère c'est surtout les poursuites. Non pas les affrontements, donc c'est. C'est un gros point noir. Vous voyez ce qui est le fait de ne pas avoir ces. D'archers de cavalerie. Mais bon, on peut le faire. Voilà, c'est bon. Enfin. Et oui, c'est le tout premier Orvieto. On cherchait. Sa toute première guerre contre le pape. Première, étant donné que ça sera pas la dernière. Bon, mes ordres, leur coût n'a pas trop augmenté, c'est bon. De mémoire, l'ordre des hospitaux m'a prêté allégeance. De mémoire. C'est normalement que l'ordre du temple et l'ordre d'hospital normalement doivent me fournir leurs troupes. Étant que je suis roi de Jérusalem. Mais je constate, là c'est vraiment une constatation, que ce n'est pas le cas. Parce que vous regardez, ici c'est pas sous mon autorité. Je sais pas si, c'est pour ça que je demande, donc si jamais il y a des personnes qui sont au courant, est-ce que tes troupes sont sous nos commandements que si on commence à partir en tant que roi de Jérusalem? Ou est-ce que ces troupes ne sont jamais sous nos commandements en fait? C'est un allié. D'accord. Donc on va récupérer le temple. On va récupérer... Bon, on y va. Bon, je ne sais pas, donc j'ai pas envie de m'avancer et dire de bêtises. Hein. Oh, c'est fermé quand on sait pas, faut dire ce qui est. Donc voilà, je suis curieux de savoir comment on fait pour y garder. Encore une fille, Léna. Ah oui, j'ai augmenté la fertilité un peu de mon chef de faction. Enfin, un peu beaucoup peut-être. Mais c'est pas grave. Donc ça avance bien. Faut vite ma cavalerie lourde quand même. Ouais, bon, on va changer de plan. Voilà. On va quand même accélérer quand même le... Oh. Il a pas osé le petit sagouin. Là, je vais pas vous mentir, ce que j'attends énormément, c'est le... Attends, j'ai récupéré le château, là. Est-ce que le pape me déteste? Bah, on peut pas l'envoyer. Je vais éviter d'envoyer comme un cadeau à celui-là, je vais pas vous mentir. En fait, ce que j'espère, là je suis sadique, je sais, c'est qu'il se fasse entièrement conquérir. Quand je dis entièrement, c'est vraiment entièrement. Voilà, bon j'ai compris. Il a carrément appelé des escortes en fait de mercenaires. Le pape, c'est pour ça qu'ils avaient autant de troupes. Je suis curieux de savoir son... 42,8K. Je veux savoir l'Empire byzantin, il y en a combien?
Là, nous avons récupéré... Bon. Je peux plus me permettre en fait d'en acheter. Indication. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Bon, ouais, c'est pas grave. Bon. Ça, on va aller chercher. On va chercher cette escorte-là. Bon, les hors d'or. Bon. Je vais l'aider. J'y réfléchis là, j'ai réfléchi, j'aurais dû y aller. Je vais le laisser perdre tout de même. Je précise bien, je vais le laisser perdre. D'accord. Ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé. J'ai pas demandé à ces deux armées là de bouger, mais bon. Ou je l'ai fait sans m'en rendre compte. Je vais aider cette personne là, donc avec qui je suis ami entre normalement. Pour une seule raison. Je veux aider. Ah, je peux pas. J'ai refusé, donc je peux pas. Bon, bah tant pis. Bon, bah voilà. Bon, château, notre seigneur. Un nouveau château ou ça ici? Bon. Je sais pas pourquoi en fait on est allié, mais bah, bon, l'erreur que j'ai faite, je l'explique, c'est que j'aurais dû y aller les aider. Parce que plus je les aide, faut être honnête, plus je les aide avant qu'ils arrivent chez moi, plus je suis capable de leur exposer une partie de leur armée. Ici, lui c'est un commandant de cavalerie, pas mal. Non. J'ai un malus de morale. Donc, 2 secondes. Ah si, c'est lui. Bon bah j'ai rien dit. Défense pas mal. Et c'est un commandant de flanc lui. Mène le centre. D'accord. On va mettre ça à 19 sur le flanc. Voilà. Et on va semer à Discord ici. Bon, pourquoi je fais ça comme ça? Les piquets, c'est la meilleure armée défensive, hein, faut dire ce qu'il y a. Donc tout ce qui peut encore renforcer en plus sa défense, allez, je vais le gentil, c'est bien, est un point fort, hein, c'est un bon point en plus. Donc bon. Évidemment, c'est un défaut. Hein. Oula, oula, oula. Donc je veux dire, c'est un défaut, c'est que... Attendez, ils ont gagné la guerre. C'est fini. Bon, une guerre est terminée, c'est pas trop tôt. C'est un gros défaut, c'est que je dois y laisser m'attaquer. Et mine de rien, se dire se laisser attaquer comme ça, c'est dur quand même de l'avouer, mais j'ai pas le choix si je veux gagner. Ma cavalerie lourde aura comme ordre d'attaquer, ça je suis tout à fait d'accord. Mais mon infanterie, elle aura l'ordre de défendre.
J'ai pas le choix, de toute façon. C'est... Duc de Champagne, duc de ça, et duc de... Mais ils vont pas tous mourir, quand même. Si je peux remplacer Gilbert par quelqu'un qui donne des compétences, c'est pas plus mal. Voilà. Bon, on se prépare à la prochaine guerre. Hein. Parce qu'il faut être totalement débile pour pas comprendre que qu'ils vont nous attaquer. Sauf que sur ce coup, je vais le devancer sur un point. Récupérer un criminel, ça serait sympa. Je pourrais récupérer là, je pourrais récupérer ça. Ou directement pour le gars. On va récupérer un criminel. L'harcèlement ennemi, vous constatez qu'elle me fait un mal de chien. Oh non! Si mon escorte de piqué se fait démonter, j'ai perdu en fait. Parce que c'est ma meilleure escorte en fait, les piqués, contre eux. Bon, et le tréa, ça veut dire qu'il y a un goulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de troupes qui peut y aller. Bon, j'ai toujours ma cavalerie gourde, c'est pas le problème, mais... Oh. J'ai failli perdre là. Je sais pas ce qui se passe avec mon escorte de piqué depuis deux parties là, mais... De toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé de la finir, cette armée ennemie. Oh, mais je suis maudit en fait. Ils rassemblent toutes leurs troupes au bon moment, à chaque fois. Et là, je vais la perdre. Cette bataille-là, je vais la perdre. Si j'ai 23, ouais, ils vont arriver trop tard. Ils chargent pas. Il a chargé trop tard. Ah si si, il a chargé au bon moment. Non, j'y crois pas. Alors là... Là, je suis impressionné par contre. Je croyais pas à gagner cette bataille. Bon, comment dire, cet ordre possède quasiment que de l'archer de que de la cavalerie, donc beaucoup d'archers de cavalerie, et ces troupes là adorent massacrer vos petites troupes qui défendent. Donc ça sera bien évidemment toujours aussi compliqué. Oula, oula. C'est quoi tous ces sièges? Oula, oula. Y a pas d'autres sièges. Bon, c'est le seul siège rebelle. Bon, comme d'hab, hein, comme je vous ai déjà expliqué, une fois que vous exposez toutes ces escortes qu'ils ont,
vous gagnez automatiquement. Quand je dis gagner automatiquement, c'est parce que vous avez plus de troupes qu'eux, c'est tout. La grande force qu'ils ont en fait, c'est qu'ils ont énormément d'escorte. Quand ils arrivent, comme j'ai déjà expliqué une fois. Et le seul moyen qu'on a pour les vaincre correctement, bah, c'est exploser une par une les escortes. Bien évidemment, exploser une par une les escortes. Bah, il reste encore 60 000 hommes de troupes. 60 000 hommes en hommes. Vous voyez, c'est... Bon, ça va le faire, je vais pas mentir. J'ai eu peur au début. Mais maintenant que j'ai explosé quand même déjà un bon morceau de leur armée, hein, je la sens plutôt bien. Notamment les troupes de choc sont bien en attaque. Hein. Voilà, c'est... Ouais. C'est vraiment le but là, que je me fixe, c'est vraiment de tout exploser. Hein. Et 20 000 hommes. J'explose cette escorte là, 20 000 hommes en moins qui peut reformer. Quand tous c'est 20 000 hommes cette armée qui est regroupée. Donc vous faites ça, vous continuez en fait, vous. Après si vous perdez la guerre, là, vu que c'est moi qui l'ai déclaré, c'est pas encore trop grave. Mais il faut que vous perdiez en causant tellement de dommages que l'ennemi a du mal à récupérer derrière. Anatolie. Donc une fois que vous avez compris ça, c'est gagné. Et normalement, c'est la dernière fois qu'on se fait attaquer par des hordes. Mongols. Parce que j'ai pas le DLC où on a grosse invasion aztèque. Mais pour être honnête, faut arrêter de déconner sur les DLC complètement inutiles. Donc voilà, c'est... Là, le 10 ils arrivent, lui il arrive le 2. Ah, c'est pas trop grave encore. Voilà. J'ai le centre en fait qui a énormément morflé initialement. Ce qui fait que l'endroit normalement qui doit tenir le plus longtemps, parce que moi je considère que c'est toujours le centre qui doit tenir le plus longtemps, est l'endroit qui tient le moins longtemps. Tellement mon armée était en fait démontée à cet endroit là. Et maintenant on regarde les troupes. 38 000 hommes. Il lui reste une escorte de 12 000 hommes. Ici il reste je sais pas combien d'hommes. Ouais, ici il reste quelques troupes. Oulga, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Repli de mon armée? Ça par contre c'est faux. J'ai demandé uniquement au piqué de partir. Ça vous l'aviez vu. Qu'est-ce qui part? Toute mon armée. Il est fort ce jeu. Bon, cette vidéo commence à se faire un tout petit peu longue. On va faire cette dernière grosse bataille. Finalement, ce sera la fin de cette guerre. Faut savoir que... Qu'est-ce que je peux dire? Je dis toujours la même chose, en fait. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Je vais probablement jouer un petit peu en dehors de vous, hein, parce que... Certes, vous aimez voir tout, mais parfois, il se passe rien du tout. Donc là...
Oui, il y a parfois des grosses bastons. Quand des grosses batailles, je vous attends, je vous rassure. Mais quand c'est plein de petites guerres, des trucs parfois longs et fastidieux, je préfère faire loin de vous. Hein, c'est... Enfin... Vous allez pourchasser cette armée. Et oui, maintenant on regarde cette armée-là. Ah, elle reconstruit une escorte. Mort, je devrais arriver avant, c'est ça. Voilà, le flanc est déjà explosé. Le flanc gauche arrivera à partir normalement. J'avais une meilleure escorte, je pense, initialement. Niveau généraux, je parle. Hein. 21 000 hommes. Pour finir les escortes qui restent en petits morceaux. Hein. C'est quoi cette rébellion? Mais c'est pas la petite rébellion que je me tape là, c'est... C'est celle que t'en vois rarement, mais quand t'en as une, t'en as mal. Parfait, c'est quoi cette escorte là? Il n'existe quasiment plus. Et vous constatez aussi que je négocie pas à paix pour l'instant. Parce que j'ai pas envie de négocier. Bon. Ici, il est soutenu par Ikala. Donc, je vais pourchasser ces escortes-là. Hein. Je vous conseille vraiment de faire ça. Vous voyez, on a gagné cette guerre assez facilement. Donc, pourchasser maintenant toutes les troupes qui restent ennemies. Ainsi, ça vous permettra de... Comment dire ? D'éviter que la prochaine invasion chez vous vous fasse mal, hein, parce que là j'ai quand même tué pour quasiment 100 000 hommes. Donc c'est quand même assez conséquent. Et le fait d'avoir fait ça, c'est surtout que je crains plus rien maintenant, étant donné que c'était les plus gros moments de guerre dans le jeu. Si on va mettre un général, je sais pas où il est. On va continuer. Mais c'est pas possible qu'il y ait autant. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais finir cette guerre, donc exploser escorte comme je vous ai dit. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine fois et vive le jeu vidéo.